Aujourd'hui, l'accompagnement d'Ichuan, il est décisif pour les personnes réfugiées qui sont qualifiées ou non d'ailleurs, parce que on a effectivement d'un côté des personnes qui ne connaissent pas forcément les codes de travail dans un environnement corporate français, qui ont certes des talents à révéler, une motivation exceptionnelle d'ailleurs qui sera contagieuse par la suite une fois qu'elles seront recrutées en équipe, mais il faut effectivement accompagner, faire en sorte que l'inclusion puisse avoir lieu. Et pour ça, nous, effectivement, chaque personne, en fonction des métiers qu'ils veulent exercer dans les entreprises cibles, est formé d'abord sur le plan de la soft skills, puis sur le plan du métier, avant de pouvoir être recruté par nos entreprises clientes. Aujourd'hui, le rôle des banques dans ce dispositif, il est fondamental. Parce qu'encore une fois, l'inclusion, c'est pas juste le travail d'un candidat qui va révéler son potentiel, c'est le travail aussi de l'entreprise qui va accéder à ce potentiel. Et notre travail, effectivement, derrière nous, c'est qu'on est modestement l'intermédiaire, on fait le lien. Mais derrière, effectivement, ce sont aux entreprises, aux collaborateurs, aux managers qui sont effectivement sur le terrain, qui vont recruter effectivement les candidats que nous allons accompagner, mais d'être garant de cette inclusion. Nous accompagnons effectivement chaque équipe de A à Z, de la sensibilisation à la formation pour qu'elles aussi, les banques, soient en mesure effectivement de tirer le maximum de ce projet, de répondre à leurs besoins ce faisant et d'avoir un impact en même temps sur la société qui est insoupçonnée.